sono se come la sua sette e ti so sta in tuo prisma ma e si ci fa se non ma ci pago se non compresa resta ne scende per la e è forse ho le due lo stile per fare un po' e perché ne vede il piaccio piuttosto non sei e ti sono quasi come se non sono quasi mi ricchia la sua faccia di ghiaccio per fu quasi le altre compagnie ci ho quasi un altro quasi un altro che ti sono complice quasi di te ma se ne e vuole che la tua resta un po' il peggio les entreprises numériques et leurs critiques. Par les épidémies de stade du carbone de sécurité dans la désormais, et par être aussi éco-responsable, il faut la voir pour la même sur une note partout, qui est à mieux savoir, à mieux soigner, à mieux éduquer, à mieux chercher. C'est aussi ta plateforme d'administration virtuelle, des travaux, des algorithmes qui nous gouvernent. Tout ça dans un monde qui nous dit, il faut économiser, ou remplacer nos ressources énergétiques pour une blague, au moins sur le changement climatique. Et c'est pour ça que c'est un nouvel crayon pour le personnel. Alors, l'histoire en effet du Covid, qui se continue à parler de distance sociale, de télétravail, de classe sociale, de... Bref, c'est un petit peu en mode post-Covid, le numérique arrive à Moscou, comme un solution autonome. Et bien, c'est un peu aussi avec la même chose avec la guerre en Ukraine, plus de travail, plus de personnes, plus de cases, potentiellement, plus d'électricité dans les pays d'Europe, qui ont banni les centrales à charbon, ou comme parc nucléaire. C'est chez nous, et pour maintenir en maintenance, on prévoit des coupures d'électricité cet hiver. La sobriété devient le maître mot, puisqu'il va falloir gestionner la consommation d'énergie. Et nous, dans tout ça, eh bien, du côté du ciel, à la branche d'abord, il est partout, tout. La digitalisation du gaz, c'est toujours un avantage, bref, constamment, du numérique, à tous les étages. Mais non, nous avons dénoncé le spectre du monde, le terrible monde, pardon, Orwell, et c'est tout simplement. C'est juste que nous avons fait une bonne question entre l'éthique et la sobriété, entre ce qui est les données personnelles et la liberté, dans la pratique quotidienne, ne pas continuer à penser et utiliser un numérique comme si la logique était le présent dans tous les usages, nos ressources étaient inépuisables. Bref, dans notre aspect de numérique, non pas au cœur, mais au service. Dans le monde, eh bien, on veut à la fois plus libre, plus prospère, plus équitable et inclusif, mais dans le contexte d'environnement qui rend le changement plus complexe. Dans un monde non plus technologique, inégalitaire, peuplé, exploité, à ceux qui s'interrogent en partie le 21e siècle sur la spirituelle, à ce travail, on n'a pas rigolé. Et bien, pour avancer la filière qui s'apprête, les entreprises numériques se sont structurées en figure autour des prestations nationales, locales, sectorielles. Elles proposent des solutions pour répondre aux besoins d'une société en mutation, contribuer à la généralisation de la technologie, etc. Elles n'ont pas vocation à se substituer aux enseignants, aux chercheurs, aux politiques. Mais on est prêt à travailler avec eux. On a tout intérêt à conduire des projets ensemble, chacun avec son expertise et son expérience en termes de savoir-faire technologique, de règles standards, connaissances terrain. Bref, depuis 2018, en matière de données personnelles, nous disposons de RGPD, de réglementation européenne. Le traitement des données personnelles illustre la façon dont la filière peut contribuer au processus du numérique. Mais on a la France, dans la culture d'administration, dans son propre point de l'histoire, la France est habituellement. L'expatriation versus cette initiative est mise en application locale. Faut pas perdre de l'art sans formation du contrôle du bon respect des règlements. Chaque territoire propose son interprétation du RGPD. Concrètement, on n'assiste pas à la situation d'un grand marché, mais à la prolifération de petits marchés. C'est pour ça qu'on a répondu au RGPD qui est un code qui permet de. C'est associé pour mettre en place un code et essayer de harmoniser sa puissance de marché public aux énergies de partenariat public privé. Le code de Bolivie est validé par la CNIL, bien sûr, avec un dispositif petit et totalement d'exception présentée sur le marché public d'éducation. De ce côté, le ministère de l'éducation intègre la logique de simplification du nouveau cadre réglementaire. Il reste aussi et comment, c'est pourquoi il voulait avec prendre en compte l'avantage financier du dispositif. Et finalement, pour cela, dans les sociétés, les citoyens sont sensibilisés aux problématiques d'environnement et de sobriété. Dispose-t-on collectivement des bons plans d'outils, information, gestes, préservation, qui nous permettent de nous sensibiliser aux moyens, se réagir et bâtir un numérique responsable. Alors, le numérique, vous le voyez, la réalité virtuelle, vous le savez, serveur, bande, wifi, antenne-relais, transmetteur, routeur, répéteur, câble, satellite ou encore data center, sont mobilisés afin de traiter, transporter, stocker toutes nos données. Le contexte de numérisation concerne nos sociétés, l'impact environnemental des usages numériques s'intensifie. Vous l'avez dit, quelques exemples.
Ça vous permet de vous voir.